Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi !» Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était, en outre, très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohelet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David, et dis-lui, « Ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonija règne-t-il ? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Et maintenant voici, Adonija règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon seigneur après lui. Et lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant « Voici Nathan le prophète !» Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit « Ô roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit « Adonija régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent « Vive le roi Adonija !» Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada,
ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui ? Le roi David répondit : Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit : L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit : Vive à jamais mon seigneur le roi David. Le roi David dit : Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit : Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette, et vous direz : Vive le roi Salomon ! Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi : Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit : Vive le roi Salomon ! Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie, la terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit : Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonija dit : Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre seigneur le roi David, en disant : Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon : Voici, Adonija a peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant : Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit : S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit :
va dans ta maison. » David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonija, fils de Haggit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit « Oui. » Et il ajouta « J'ai un mot à te dire. » Elle dit « Parle. » Et il dit « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit « Parle. » Et il dit « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit « Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite ?» pour Adonija. Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiathar, et pour Joab, fils de Tseruja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anatote, dans tes terres, car tu mérites la mort,
mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne ». Mais il répondit « Non, je veux mourir ici ». Benaja rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu ». Le roi dit à Benaja « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. » Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi, et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. » Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant « Voici, tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu « C'est bien, j'ai entendu ». Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ? » Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon,
L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. » Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service: Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elioref et Akija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Akilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs.
Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État favori du roi. Akishar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Déker, à Makatz, à Saalbim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Hanan, le fils de Hézed, à Arubot, il avait Soko et tout le pays de Hefer. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Akilud, avait Taanak et Megiddo, et tout Beth-Shean qui est près de Tsartan, au-dessous de Jizréel, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokmeam. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad. Il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. Akinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm. Akimaatz, en Nephtali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Hushaï, en Nazer et à Béalot. Josaphat, fils de Paruar, en Issachar. Shimei, fils d'Ela, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifzach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Ils ne laissaient manquer de rien. Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrakites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts.
plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées. Car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès.
Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 4 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants, de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même, pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur, et 2 battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or, qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait 3 étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et, à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement. Et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour.
Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur l'airain. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lys et avaient 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Les coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournées vers le nord, 3 tournées vers l'occident, 3 tournées vers le midi et 3 tournées vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était 1 palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lys. Elle contenait 2000 battes. Il fit les 10 bases d'airain. Chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux, liés aux coins par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait 4 roues d'airain avec des essieux d'airain. Et aux 4 angles étaient des consoles de fonte, au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait 1,5 coudées de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait 1,5 coudée de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une 1/2 coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. La fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes.
Chaque bassin avait 4 coudées. Chaque bassin était sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit de la maison et 5 bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison, au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes, avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit : « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit : « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant : Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David,
Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit : Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera,
afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ses paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soit jour et nuit présente à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit,
J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point, et il dit « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Millo et le mur de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon la basse, Baalath et Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargé de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Millo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etjon-Guéber, près d'Elot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir, et ils y prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions
et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 sicles d'or, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 sicles d'argent, et un cheval pour 150 sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu,
comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. » L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpénès. La sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Guenubat. Tachpénès le sevra dans la maison de Pharaon, et Guenubat fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi, pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tsereda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseruah. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Millo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon,
et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon ? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place.